En couple depuis 2 ans, Laetitia Hallyday et Jalil Lesper semblent filer le parfait amour, formant une grande famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Mais le magazine Closer a révélé dans son numéro de ce vendredi 14 octobre que leur couple serait en train de battre de l'aile. Serait-ce le début de la fin pour le couple formé par Laetitia Hallyday et Jalil Lesper? Depuis qu'ils ont officialisé leur relation sur Instagram le 15 décembre 2020, la veuve de Johnny Hallyday et l'acteur et réalisateur de 46 ans roucoulent sous le soleil de Destination Paradisiaque, parfois seuls, parfois en présence de leurs enfants respectifs, Jade, 18 ans, et Joy, 14 ans, du côté de la mère de famille, et Kaina, 11 ans, Alyosha, 14 ans, et Jenna, 18 ans, du côté de l'artiste. Cependant, le magazine Closer a fait une révélation surprenante dans son numéro prévu pour ce vendredi 14 octobre, le couple serait en train de vivre sa première grosse crise. D'après nos confrères, Laetitia Hallyday et Jalil Lesper souffriraient non seulement de sérieux problèmes de communication, le comportement étouffant de l'acteur pesant ainsi sur la jolie blonde de 47 ans, mais aussi des obligations fiscales de Laetitia liées à la dette de Johnny, qui lui impose de passer beaucoup de temps à Paris en laissant Jalil à Los Angeles. Pour preuve, le magazine s'appuie sur un événement en particulier qui serait révélateur de cette crise entre les deux amoureux, le 21 septembre dernier, c'est seul que Laetitia est arrivée à Paris pour affaires. Mais alors que son mari devait rejoindre Paris le 5 octobre pour des projets professionnels, Laetitia a décidé de rentrer le 4. Ainsi, la veuve du taulier serait repartie aux États-Unis sans même prendre le temps d'attendre son bien-aimé. Plus grand que photo Laetitia Hallyday et les hommes de sa vie, leur mariage tombe à l'eau? Un autre signe pourrait confirmer cette théorie de brouille entre le couple. En août dernier, Closer avait dévoilé que le supposé mariage entre Laetitia Hallyday et Jalil Lesper attendu par leurs fans n'aurait pas lieu en raison du planning surchargé de la mère de famille. Le magazine avait révélé en juillet 2021 que l'ex de Sonia Roland avait fait sa demande à l'ancien mannequin, un soir à Paris sur le Pont des Arts. Laetitia aurait dit oui sans attendre. Si le couple n'a confirmé aucune de ces informations, il convient de rappeler que la mère de Jade et Joy avait déclaré dans une interview accordée aux Parisiens en septembre 2021, j'ai entendu parler de mariage avec lui, il n'en est pas question. En tout cas pour le moment, je ne suis pas prête, je ne pense pas que je me remarierai un jour. Agence, à propos de. We'll be right back.